Hello les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour votre guidance pour le mois de juin 2021. Donc, vous n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Enfin, ça peut arriver, ce n'est pas une obligation, mais au vu des commentaires, ça arrive. Donc, vous regardez, si ça ne résonne pas de votre côté, c'est probable, c'est possible que ça résonne du côté de votre autre, du côté de votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez quand vous allez regarder cette guidance. Des fois je dis il, des fois je dis elle. Donc je vous laisse adapter en genre et selon votre situation. C'est une guidance qui va concerner donc les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire, signe Vénus en Verseau. Bien évidemment, ça reste un tirage général. Donc si ça ne vous parle pas, je suis OK avec ça. N'essayez pas d'adapter à tout prix. C'est peut-être que ce mois-ci, je n'ai pas de message pour vous et j'aurai peut-être d'autres messages pour vous le mois d'après. Sous votre vidéo, les Verseaux, excusez-moi, vous trouverez un lien avec une extension. Vous y trouverez la durée et les questions que j'aborde lors de l'extension. Donc, c'est une continuité de la guidance que je vais faire tout de suite, d'accord? Donc, c'est parti les Verseaux. On va aller regarder vos énergies pour le mois de juin 2021. Dans quelles énergies, mes chers Verseaux, vous allez être au mois de juin 2021? S'il vous plaît. Les énergies pour les Verseaux au mois de juin 2021. Pour ceux qui vont regarder cette guidance, dans quelles énergies vous allez être, mes chers Verseaux, au mois de juin 2021. S'il vous plaît. Les énergies. Allez, les énergies, s'il vous plaît, les versions au mois de juin 2021. Pour certains, on peut me parler de récolte, d'accord? Pour certains, c'est possible qu'on me parle de récolte concernant un souhait que vous avez. Ouais, c'est peut-être quelque chose que vous avez souhaité, vous l'avez prié, vous avez mis des graines, donc ça peut être les mois passés, les années passées, et vous allez pouvoir récolter les fruits de votre labeur. Donc ça peut être là forcément dans tous les domaines. Ça peut être le domaine sentimental, ça peut être le domaine professionnel, le domaine familial, c'est possible. Pour certains, j'ai un message précis. Ça peut être pour quelqu'un qui souhaitait tomber enceinte, d'accord? Il peut avoir comment vous dire, quelque chose de positif à ce niveau-là. Vous avez peut-être essayé pendant des mois, donc ça peut faire 7 ans que vous essayez de tomber enceinte. C'est possible. Pour certains, on peut me parler de 7 mois, mais pour certains, il va avoir quelque chose de positif à ce niveau-là. D'accord? Ok, communication qui arrive pour vous, les Verseaux. Ou alors, est-ce que c'est vous qui allez communiquer? Ok. Vous allez mettre quelque chose en action. Les Verseaux, s'il vous plaît. De juin 2021 pour les Verseaux. On me parle d'un signe de feu pour vous, les Verseaux. Ok. Bon, je vais les prendre. Normalement, je ne prends pas. OK. Mais là, je vais les prendre. Il y a quelque chose qui vous anime. Pour moi, il y a des communications, d'accord, pour les Verseaux. Donc, je vais approfondir. Mais là, j'ai deux cartes. Donc, l'as de bâton, l'as de coupe à la fin. Il y a un nouveau départ pour moi. Pour certains d'entre vous, il y a un nouveau départ. Donc, vibrant, passionnant. Que ce soit en termes de créativité, que ce soit en termes d'émotion, que ce soit en termes de passion, il y a quelque chose qui vous anime, il y a un nouveau départ pour moi. Cavalier de
Vous communiquez pour certains, il peut y avoir des communications avec quelqu'un à distance. Donc, ou c'est des communications qui arrivent vers vous, ok? Et pour certains, c'est le cas. Il y a des communications qui arrivent vers vous. Et ça peut être quelqu'un qui est à distance de vous. Si ce n'est pas quelqu'un qui est à distance, une distance géographique, hein, ça peut être une autre ville, un autre pays, c'est possible. Ça peut être quelqu'un avec qui il y a une distance, d'accord? Il y a une distance entre vous qui s'est installée. Pour moi, que ce soit vous ou l'autre personne, il peut avoir de l'eau autour de vous, d'accord? Il peut avoir de l'eau, donc la mer, une rive, un lac, une rivière. Je sais pas, il y a peut-être un truc comme ça. Pour moi, il y a quelque chose de passionnant, en fait, d'excitant. Je pense que vous allez être à fond, à fond, à fond, à fond dans la séduction. D'accord? Les Verseaux. Il y a, pour moi, c'est peut-être fin de mois, d'accord? C'est peut-être fin de mois, mais il y a une idée où vous allez être. Je ne sais pas si vous aimez porter du rouge. Pour certains, on me parle de rouge, hein, de robe rouge, de tenue rouge. La couleur rouge. Vous aimez le rouge. Si vous êtes une femme en plus. Il y a quelque chose de très passionnant, de très charnel, d'accord? De très karmique aussi, c'est possible. C'est comme si je vous ressentais les Verseaux, d'accord, au mois de juin, là, et surtout à partir de la troisième semaine, irrésistible. Vous allez attirer le regard. Je ne sais pas ce qui se passe chez vous. Il y a quelque chose que vous mettez en place ou que vous avez mis en place. Pour moi, il y a une forme de charisme chez vous qui va se dégager. C'est possible que vous décidiez là de changer de couleur de cheveux l'été, votre bronzage, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui fait que vous allez attirer le regard et vous allez être irrésistible. C'est ça que vous allez récolter. Pour certains, c'est ça que vous allez récolter. Vous allez récolter un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Donc pour certains, on me parle de. Ça peut être une nouvelle rencontre. Hein. Pour certains, ça peut être une nouvelle rencontre que vous faites. C'est quelque chose que vous avez manifesté pour moi pendant longtemps. Il y a une idée où là, je vous sens sûr de vous, avoir confiance en vous, dégager, vous allez dégager une aura de. Vous allez être joueur, joueuse dans la séduction. Je vous ressens vraiment dans la séduction. Vous avez travaillé sur vous. Pour moi, vous avez travaillé pour ça, pour en arriver là en tous les cas. Ok, donc pour certains, il y a quelqu'un de votre passé qui revient. Vous allez avoir des communications de quelqu'un de votre passé. Alors, ou cette personne, elle habite à distance, je vous l'ai dit, je vous le redis. Ou alors, c'est quelqu'un avec qui vous avez pris des distances. Vous avez peut-être un ou des enfants avec cette personne, c'est possible, pas une obligation. Et pour d'autres, sinon, pour moi, c'est un passé lointain et on me parle de souvenirs en commun. Ok, cette personne elle est nostalgique vis-à-vis de vous. Après, les énergies sont interchangeables, donc ça peut être vous. Je vois des communications avec cette personne de votre passé qui arrive.
Pour certains, on me parle d'un signe de terre, d'un signe de feu. Un signe de feu, on peut me parler du lion aussi. Et on peut me parler d'un signe d'air comme vous, les Verseaux. Capricorne aussi, j'ai le Capricorne. Trois de coupe. Ok. Pour moi, vous allez. Alors, c'est ou quelqu'un avec qui vous parlez déjà. Vous parlez avec cette personne. Et vous allez partager des moments avec cette personne pour moi au mois de juin. C'est peut-être quelqu'un qui fait partie. Alors, ou c'est quelqu'un avec qui vous parlez déjà. D'accord? Vous communiquez avec cette personne. Ça peut être cette personne de votre passé, hein, c'est possible. Vous allez être amené à la voir, cette personne, pour moi, et partager des moments ensemble. Donc, vous pouvez aller manger au resto, vous pouvez aller boire des verres, vous pouvez sortir, c'est possible. Et plus y a affinité. Mais je vois qu'il y a l'affinité, quoi. On me parle de sexualité claire et nette. D'accord? Et pour certains, ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre entourage amical. Hein. Amical, familial, je ne sais pas. Elle fait partie de votre entourage, cette personne. C'est quelqu'un, je pense, que vous connaissez déjà, pour moi. Vous prenez un nouveau départ avec cette personne. Alors, où c'est cette personne-là? C'est cette personne de votre passé, vous l'avez connue dans un passé lointain, même votre enfance, votre jeunesse. Et elle communique avec vous et vous êtes amené à la voir, vous allez sortir ensemble. Elle peut vous inviter au restaurant, boire un verre. Je vois un nouveau départ entre vous, je vois quelque chose de très passionnant, très sensuel. On me parle d'un potentiel, hein. Ok, on me parle de sexualité, mais un potentiel sentimental, hein, avec l'as de coupe. Ou pour certains d'entre vous, ça peut être cette rencontre. Il peut avoir des communications, oui, excusez-moi, avec quelqu'un de votre passé, oui, parce qu'on m'en parle. Mais ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer, une autre personne. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez en tous les cas, ou vous connaissez de vue. Ou c'est quelqu'un qui connaît vos amis, il y a un truc comme ça en tous les cas. C'est pas, pour moi, c'est pas un total inconnu, cette personne. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous parlez déjà. Ou alors, si vous parlez pas avec cette personne, elle vous a à l'œil. Peut-être c'est quelqu'un que vous avez en ami sur les réseaux. C'est peut-être quelqu'un que vous avez sur un site de rencontre. Vous êtes peut-être inscrit sur un site de rencontre. Mais pour d'autres, on peut me parler de quelqu'un quand même de votre passé, de votre enfance, de votre jeunesse ou de votre entourage familial. Ça peut être, pas, imaginons, quelqu'un que votre sœur, votre frère connaît, je ne sais pas. Il y a un truc comme ça en fait. Allez, on continue. Moi, pour moi, il y a quelqu'un là qui va communiquer avec vous. Donc là, vous rentrez dans le moi déjà avec ces communications-là. Je suis pour certains, vous l'avez attendu longtemps, cette personne. Vous l'avez attendu. C'est probable que. Alors, ou c'est quelqu'un qui vous a tourné le dos dans le passé, c'est possible. D'accord? C'est clairement possible. Pour certains, vous avez peut-être un enfant, je vous ai dit, et pour d'autres, c'est quelqu'un avec qui vous avez des souvenirs, vous avez entretenu une relation dans le passé. C'est peut-être quelqu'un du jour au lendemain qui est parti. D'accord? C'est possible. Avec le 6 d'épée là, ça peut être quelqu'un qui vous a tourné le dos, qui est parti.
Mais avec le 7 de denier, on me dit que c'est quelqu'un que vous avez beaucoup attendu. D'accord? Pour moi, vous avez été patiente. Vous avez été patient. Bon, pour certains, cette personne, elle arrive là, elle va communiquer avec vous. Pour moi, donc là, on me parle d'un signe d'eau aussi, pour vous, les Verseaux. Donc, je la vois communiquer avec vous, on me parle d'un nouveau départ. Hein, d'accord? Donc, pour certains, vous allez être amené à voir cette personne fin juin, à partir de la troisième semaine de juin. Hein, donc, après. N'oubliez pas, le temps reste fluide. Mais pour moi, certains d'entre vous, vous avez des communications de cette personne et vous allez être amené à la voir, cette personne. Et là, on me parle d'un signe d'eau. On peut me parler d'un scorpion. Avec le roi de coupe, on peut me parler d'un scorpion. Pour certains, on me dit que vous avez repris votre force, vous avez repris votre courage, vous êtes dans la maîtrise, d'accord, que ce soit au niveau professionnel. Pour certains, vous avez des projets, c'est même pas des projets, vous les avez déjà mis en place, pour moi, au niveau professionnel. Il peut y avoir, au niveau professionnel, quelque chose au niveau de la communication, d'accord? C'est un travail où vous devez beaucoup communiquer. Donc là, j'ai la carte du magicien. Vous pouvez, on peut me parler, je ne sais pas, pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de la guérison. Vous voulez faire un. Peut-être que vous mettez en place quelque chose au niveau de la guérison. Peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte. Je ne sais pas, peut-être, ouais. Au niveau de la guérison, je sais pas pourquoi je dis la guérison, mais ça peut être ouais, le magnétisme, les soins, je sais pas, il y a un truc comme ça. Certains d'entre vous, faites attention au niveau de cette nouvelle rencontre-là. Pour certains, ça peut être même la personne de. C'est pas la nouvelle rencontre. Pour moi, c'est plus la personne de votre passé. Faites attention parce que pour certains, cette personne de votre passé, de ce que je ressens, ça a pu être quelqu'un qui vous a mis dans un enfermement, dans une emprise. Ok? Ça peut être parce que cette personne, elle était en couple ou alors
Si elle n'était pas en couple, peut-être que vous étiez avec elle. Il y a eu quelque chose comme ça où pour moi, ça a été très psychologique et très... vous avez eu du mal à vous détacher de cette personne pour moi. Donc faites attention, même si vous devez partager des moments à cette personne, avec cette personne, de ne pas retomber dans un truc où ça peut être toxique, d'accord, pour certains d'entre vous. Parce que j'ai l'impression que maintenant, ça va. Que vous avez vachement évolué, que vous avez l'air bien, en tous les cas au mois de juin, là, de ce que je vois. Vous avez repris confiance en vous, vous vous affirmez peut-être, hein, vous êtes déterminé, mais ça peut être quelqu'un, cette personne, où ça a été compliqué dans le passé, et là, elle revient. Faites attention qu'elle ne vous fasse pas replonger quand même. Hein. Mais quand même, pour moi, de toute manière, à la fin du mois, il y a quelque chose que vous avez quitté. Pour moi, avec le 8 de coupe, vous avez quitté une situation. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui vous nourrissait plus émotionnellement. Ça peut être une situation, oui. Ça peut être une personne, oui. Mais ça peut être un comportement ou une façon de penser. Pour moi, vous avez satisfaction, quoi qu'il se passe. À la fin du mois, vous avez le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la satisfaction. Vous obtenez ce que vous voulez, vous êtes satisfait, vous êtes satisfaite. Du 8 de coupe, vous passez au 9 de coupe. C'est-à-dire que le 8 de coupe, vous allez à la recherche de la 9e coupe. Mais là, on voit que vous la trouvez, la 9e coupe. Donc, ça peut être début juillet, d'accord? Mais pour moi, il y a une satisfaction pour vous. Pour certains, la communication que vous attendez, c'est l'entourage amical. Donc, c'est l'entourage amical, c'est quelqu'un qui est à distance pour moi. Et c'est de l'entourage amical. Ça peut être un entourage amical, ouais, enfance, jeunesse, je sais pas, ou entourage amical, hein. Pour certains, il peut avoir quelque chose à régler au niveau des enfants. Ok, il y a peut-être une décision au niveau de vos enfants, au niveau de votre enfant. Il peut avoir une négociation, une conciliation. Peut-être certains, vous avez mis en place quelque chose au niveau de la garde de vos enfants. Il peut avoir une décision. Pour moi, il y a comme un accord qui va être trouvé. Il y a une conciliation et il y a une négociation. Il peut avoir une situation qui revient de votre passé. Je vous le redis, il peut avoir une situation, quelqu'un avec qui, pour certains, vous avez été séparés, il y a eu une séparation douloureuse, il peut avoir une situation qui revient. Regardez. Il y a quelqu'un qui revient, il y a une situation, il y a, pour moi, il y a une personne qui revient avec qui vous étiez séparés. Pour certains, vous allez trouver un accord entre vous. Donc, vous allez probablement parler, vous allez probablement communiquer avec cette personne. Vous allez négocier entre vous. Donc, pour certains, c'est parce que vous avez un ou des enfants ensemble. Et pour d'autres, ça peut être des souvenirs que vous avez en commun. D'accord? Tout le monde n'a pas d'enfant. Donc, ça peut être pour certains une personne qui revient de votre passé. Qui pense à vous, qui est nostalgique vis-à-vis de vous. Et il y a pour moi une négociation, une conciliation entre vous. Il y a des discussions. On me parle encore de l'entourage amical, c'est un truc de ouf pour vous. On me parle beaucoup de l'entourage amical. Pour certains,
Je le dis, ça parlera pas à tout le monde, mais je le dis parce que j'ai le message. Pour certains, quand on vous dit faites attention de ne pas repartir dans une relation toxique, parce qu'il y a probablement eu une histoire de tierce personne. Donc, ou vous avez été la tierce, c'est possible, les Verseaux. Donc, on vous dit du coup, quand cette personne elle revient là, on voit qu'elle revient communiquer avec vous, elle vous invite à boire un verre, elle vous invite à manger. Parce qu'elle a quelque chose derrière la tête, hein. On va appeler un chat un chat, un chien un chien, hein. Ok. Parce qu'on voit qu'elle a une grosse attirance vis-à-vis de vous, une attraction. C'est quelqu'un qui a des sentiments, qui veut une réconciliation probablement. Ok. Mais pour moi, vous allez retourner. Ok. Si vous ne vous préservez pas, vous ne vous protégez pas, pour moi, vous allez retourner dans une histoire encore où vous allez être la tierce personne. Il va avoir une histoire de triangulaire. D'accord? C'est probablement, il y a peut-être une histoire amicale entre vous, cette personne, et donc, je ne sais pas. Vous vous adapterez, d'accord? L'as de bâton, le 7 de denier, le 9 de denier, l'as de coupe, l'as de coupe, le 9 de coupe. Bon, pour vous, ça finit bien. Pour certains, on peut me dire aussi que la personne que vous allez voir là, qui peut être de votre passé, ou alors ça peut être quelqu'un de votre entourage amical, c'est comme si cette personne, elle allait vous dire hein, au début, donc vous allez vous voir, vous allez partager des moments, mais c'est comme si le début de votre relation qui va commencer, elle va vous dire peut-être de... Pour vivre heureux, vivons cachés, d'accord? C'est comme si peut-être que vous et cette personne, imaginons, allez, c'est quelqu'un que vous avez connu dans votre jeunesse et vous avez des amis en commun de jeunesse. C'est comme si peut-être vous allez garder le début de votre romance, le début de votre histoire pour vous. Pour éviter que... Pour éviter qu'il y ait des problèmes, quoi. Que chacun ait son mot à dire, voyez, et qu'il y ait des problèmes. Ok, je vais prendre cet oracle-là, l'oracle des Médéores, pour terminer mon tirage, les Verseaux. Bon, ça va quand même. Je trouve que vous avez une bonne guidance pour le mois de juin, les Verseaux. Allez, les Verseaux. Allez, les énergies pour les Verseaux. Au mois de juin 2021. Pour moi, il y a une action qui est assez rapide qui arrive, d'accord? Donc, vous allez avoir des communications pour moi qui sont assez rapides là. C'est pour moi une rencontre qui a été très forte. C'est quelque chose qui vous a marqué dans le passé pour moi, d'accord? C'est quelqu'un qui a été très, c'est une rencontre qui a été très forte qui vous a beaucoup marqué. Donc, c'est ou quelqu'un avec qui vous avez vécu une histoire déjà, ou c'est quelqu'un pour moi que vous avez connu et vous étiez amoureux ou amoureuse. En tous les cas, c'est quelqu'un qui vous a marqué pour moi. Cette personne qui va communiquer avec vous pour moi. Il y a eu une rupture dans le passé entre vous. Donc une rupture, c'est soit vous étiez en couple et ça s'est terminé dans le passé, oui, ou il y a eu un éloignement en fait. Chacun a pris sa direction et voilà. C'est comme si cette personne, elle avait des regrets, elle va communiquer avec vous parce qu'elle a besoin de parler avec vous pour être en paix.
D'accord? Il y a un truc comme ça. Il y a un truc, c'est... Je ne sais pas pourquoi, elle a envie d'être en paix, cette personne, et de parler avec vous. Ok, mais je pense qu'elle angoisse et qu'elle a peur. D'accord? Elle a des angoisses et elle a des peurs. Parce que je vous dis, c'est quelqu'un de votre passé pour moi. C'est ou quelqu'un qui vous a tourné le dos du jour au lendemain. C'est quelqu'un qui sait qu'elle vous a blessé dans le passé quand même, cette personne. Elle angoisse et elle a peur maintenant. Je pense que ça fait un moment qu'elle veut vous contacter. En tous les cas, ça doit faire plusieurs semaines, voire plusieurs mois qu'elle veut vous contacter. Mais elle ne faisait pas parce qu'elle avait une angoisse et une peur. Alors ça peut être parce qu'elle avait peur que vous l'envoyiez bouler. Mais là, c'est comme si elle va le faire assez rapidement parce qu'il y a un apaisement chez cette personne. Nettoyage profond. L'amour de soi. Pour certains, on vous dit de penser à vous et penser à vous aimer vous avant tout. D'accord? Parce que pour certains, je vous le dis clairement, il y a quelqu'un qui revient là de votre passé, avec qui il y a eu une séparation, probablement une séparation douloureuse. Mais on vous dit de penser à vous quand même. N'allez pas vous sacrifier comme vous avez pu faire dans le passé. Voilà, c'est le message que j'ai. N'allez pas vous sacrifier comme vous avez pu faire pour cette personne dans le passé. Maintenant, pensez à vous. La reine de bâton, le diable, le 3 de coupe, l'épée, la lune, la mythique, l'amitié, s'il vous plaît. L'abondance et la fin d'un cycle. Événement proche. Donc, c'est bien ce que je dis, hein, pour certaines communications et vous êtes amené à vous voir là. D'accord? Pour partager des bons moments ensemble. Retombée positive. Pour certains, c'est une personne de votre passé, d'accord, avec qui il y a eu rupture, mais pour d'autres, c'est un entourage, hein, comme je vous ai dit. Pour moi, il y a plusieurs cas de figure. Hein. Donc, pour certains, oui, c'est quelqu'un de votre passé avec qui vous avez eu une histoire et tout, mais pour d'autres, c'est quelqu'un avec qui vous allez partager des moments, là. C'est quelqu'un, pour moi, que vous avez dans votre entourage amical. Ou alors que vous rencontrez dans un site de rencontre. D'accord? Pour moi, c'est quelque chose d'assez rapide. Ok, donc pour certains, vous allez avoir la récolte. Ok, à la fin du mois, pour moi, vous allez avoir la récolte. Vous allez être bien. Ok, au niveau de vos émotions, vous laissez ce qui ne vous plaît pas de votre passé, les émotions qui ne vous nourrissent plus et vous avez une satisfaction. Pour moi, il y a une protection, il y a un équilibre, il y a des retombées positives. Voilà, c'est une bonne guidance quand même, les Verseaux.
Donc voilà ce que j'ai pu vous dire. Je vais aller faire votre extension. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt. Bisous, bisous, ciao, ciao.